1942. Donc je suis en face du docteur Kambale Wislof, c'est ça? C'est Wiskoff. Wiskoff. Voilà. Alors, docteur Kambale Wiskoff, vous avez fini en quelle année? Moi, j'ai fini en 2010. 2010, ça c'est votre numéro. Okay. Qui vous a attribué ce numéro? Bon, le syndrome, je l'avais réussi au moment qu'après avoir fini les études. Le syndrome, tu appelles ça syndrome, c'est numéro. Ok, oui. Je l'ai réussi au moment que j'avais fini les études et je menais des démarches de loin. Parce qu'au moment que j'ai fini, j'étais obligé de rentrer à Bas-Joué comme. Ça va, je vous le concède, ça c'est votre numéro d'ordre. Maintenant, vous êtes ici dans quel cadre? Cause de mon arrivée ici, ce n'est pas pour la première fois que j'arrive ici. Je veux bien. Moi, je suis docteur Boula, président de l'Ordre des médecins Ville Province de Kinshasa. Merci, docteur. Je veux savoir parce que le médecin directeur qui est là, il est aussi conseiller à l'Ordre des médecins. Il est président de la commission socio-culturelle de l'Ordre des médecins. Et donc, voilà. Donc, lui, il est le secrétaire de l'Ordre. Alors, jusque-là, on vous considère encore comme confrère. Nous voulons savoir pourquoi vous êtes là. Ok. Docteur, merci parce que vous m'avez posé une très belle question. Ce n'est pas ma première fois d'y arriver dans cette institution. Oui. Pour la première fois, j'étais venu. Ici, pour l'école. Aujourd'hui, là, vous êtes pour quelle mission? Non, je vous parle pour. Et qui vous a mandaté? Voilà. On n'a pas le temps, c'est du temps, docteur. Okay. Je parle par rapport au ce que j'étais venu auparavant. Non, moi, ce que vous faites maintenant là, ce que vous faites maintenant là, docteur, je vais savoir. Hein? Moi, je suis le numéro 1 de l'ordre de médecins. Parce que tu as brandi un numéro d'ordre. Je vais savoir ce que tu fais ici. À l'hôpital, au CTECO. Oui. L'objectif d'être ici, parce que hier, j'étais passé. Okay. Hier, j'étais passé au nom de l'institution de l'INERB. Okay. Lorsque qui vous a mandaté? L'INERB? Le professeur? Non, excusez, on m'a posé la question, laisse-moi répondre. Bon, ça va, moi je peux m'arrêter ici. Je pense que vous allez vous expliquer aux instances compétentes. Okay. Je voulais avoir juste ça. Alors, tu vas me permettre. Oui, hein? Tu vas me permettre. J'appelle. Ça va? Ah, enchanté. J'appelle les procureurs. Les magistrats de l'ordre des médecins. Mm-hmm. Ah, donc c'est avec lui que tu vas répondre, auprès de lui, okay, tu vas répondre à toutes les questions. Son garde du corps, il n'est pas garde du corps. Non, les gardes du corps, en tout cas, les chefs sont là, vont s'en occuper. Nous, on s'occupe d'abord des faussaires ici, des faux médecins. Président, il vient ici au nom de l'INERB pour le compte de pays des agents. Hier, moi, je n'étais pas là, j'étais endeuillé. On a enterré mon père, notre papa Lake. Et il est venu depuis le matin réunir tous les prestataires. Ils ont fait trois listes de noms, trois listes pour les payes des agents de riposte au nom du professeur Mouyim. Au nom du professeur Mouyim. Les agents, quels agents? Les agents de riposte pour la COVID. Maman, yo Robi Malayo, docteur, toi tu peux sortir, hein? Je vais te recevoir. Docteur, moi je vais te recevoir. Aide-moi. Docteur Boula. Ah, je suis ici au centre hospitalier Vijana. Bonjour. En face de la RTNC. Hein? Nous venons de mettre la main sur un procès. Il donne un numéro d'ordre ici, gêne kiné. Il donne un numéro d'ordre 003-142. Il vient ici importuner les gens comme quoi il vient pour le compte de l'INERB pour la paye des agents commis à la prise en charge des COVID. Si vous pouvez, illico presto, nous envoyer des éléments pour qu'il s'en occupe. Il est même accompagné d'un militaire qui serait son garde du corps. Jules. Bon, je ne sais pas pour les militaires qu'est-ce qu'on va faire, mais nous, on va commencer d'abord par... Wiskoff, Kambale. C-O-P-H. Ok. Non, oui, je suis ici à Vijana. Oui. Lingwala, en face de la FNCA. Nous sommes au bureau du médecin directeur. Non, il ne bouge pas. Il ne va pas bouger. Ça va, ok. Non. Oh, comment tu vas oublier ton numéro d'ordre? Oui, j'ai l'éveil qui de l'ordre de médecin ici. L'Ikium. 300 combien? Oh, c'est devenu 40 là-bas. J'ai l'éveil qui de l'Ikium ici.
Mais qu'est-ce qu'il y a en anglais? 342. Ça va être ça. 342. C'est tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les procureurs envoient l'inspecteur avec les éléments. Hier, c'est mon agenda. Il y avait. Hier, on devait avoir des désordres ici avec tous les médicaments de Sénat. Des désordres, lui, il était là, le staff était là. Lui-même, il est allé les déposer, il disait, dans une réunion avec le professeur Mouyou. Et puis, c'est qu'il m'a dit que le docteur connaissait qu'il y a une réunion, c'est quoi il est venu. En plus de ça, en attendant qu'on faisait une liste, il les a dit, les médecins spécialistes en cardiologie, s'est présenté comme ça. Quatrième personne. Tu es cardiologue? Mais toi, ton numéro d'ordre, ça change, docteur Wissilov. Non, non. C'est ça que j'ai donné là, docteur. Est-ce que tu connais cette série 342? Cette série des numéros d'ordre. Il a son carte d'identité? Non, c'est même pas les cartes de médecin, même pas les cartes d'identité, même pas les cartes de travail de l'INRB.